Si je vous dis Star Wars et jeux vidéo, en principe, il doit se former une image positive dans votre esprit. En effet, le riche univers de cette franchise s'adaptant facilement en un produit vidéoludique et pouvant se décliner en différents genres, nombreux sont les joueurs qui gardent de bons souvenirs de jeux Star Wars. Comme par exemple, Rogue Squadron et ses suites, Shadows of the Empire sur Nintendo 64, Star Wars Episode 1 Racer, ou encore des titres moins connus mais qui restent toujours sympas à jouer. Cependant, au-delà de tout ce qui a pu se faire de bien, il y a également... C'est le genre de jeu tellement merdique qu'on le retrouve parmi les détritus du geek. Une simple cartouche en plastique dont le contenu est dramatique. Ce jeu d'aventure interstellaire est ce qui se fait de pire en la matière. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Oui, plutôt, oui. Salut tout le monde, c'est Geek Gamer Guy, et vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve avec un gros jeu de merde. C'est édité par THQ, c'est développé par Taurus Games, et LucasArts, dans tout ça, aucune idée. Ils ont certainement signé quelque chose qui stipule que ce jeu a été fait avec leur approbation, mais sans leur participation. Et écoutez juste ce massacre, écoutez. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Le fan de Star Wars, ils la sont passée, celle-là. Alors, ils étaient deux pour faire les graphismes, et apparemment, c'était un seul pauvre type qui a fait tout le son du jeu. Donc, merci à toi, Chris Hancock. Alors, je suis certain que Chris, c'est quelqu'un de très bien, seulement ses patrons ont dû le pousser au cul et le stresser pour lui dire « Allez, vas-y, faut que le jeu sorte avant l'an 2000, on veut le sortir avant l'horrible bug. » Bon, le bug de l'an 2000 n'a pas eu lieu. Malheureusement, ce jeu-là, oui, il a eu lieu. Regardez, un système de mot de passe pour un jeu d'aventure. Non mais franchement, quelle idée à la con. Ça commence bien. Donc là, on démarre, un texte défilant, mais pas un texte défilant façon Star Wars. Faut pas trop en demander non plus. On retrouve donc ce bon vieux Yoda qui parle à son Luke, sûrement parce que sa tête est malade, et qui lui dit « Écoute, là, il faut qu'on arrête ton entraînement et que tu ailles sauver les fesses de ton ami le mercenaire Han Solo, parce que lui et son vaisseau sont devenus essentiels pour la cause des rebelles. » Donc voilà, il faut aller le sauver, le libérer, alors qu'il se trouve sur Tatooine, entre les mains de Jabba the Hutt. Voilà. Donc apparemment, l'histoire du jeu prend place à la fin de l'Empire Contre-Attaque, et juste avant le retour du Jedi. Bon, c'est possible que je me trompe, mais je le crois pas, hein, il me semble que c'est bien ça. Et donc là, on voit Yoda qui me file un truc qui doit aller sur le Faucon Millennium, j'imagine, pour lui permettre de repartir. Et donc, ben, là, je peux commencer l'aventure. On débarque sur Tatooine, d'ailleurs le bruit du vaisseau est assez bien rendu, ça fera au moins un truc positif. Tout de suite, on se demande qui sont ces personnages qui déambulent hystériquement à l'écran. J'appuie sur Start, j'accède à un inventaire, comme dans tous les jeux d'aventure. Donc ok, on se dit pour l'instant tout va bien. Et là, on se déplace et on se rend compte du problème du jeu. C'est que les autres personnages qui déambulaient hystériquement, ils n'étaient pas forcément plus hystériques que le joueur, puisque c'est tout le jeu qui est animé comme ça. C'est-à-dire qu'environ toutes les deux frames, on se déplace d'une case d'un coup. Alors on essaie de parler aux personnages, on n'arrive pas, on se demande à quoi ils servent. On peut pas les tuer non plus, là il y a eu un bruit bizarre, je sais pas à quoi ça correspondait. Et puis donc voilà, on se dit que c'est plutôt mal parti, et que c'est plutôt honteux pour une console comme Game Boy Color, où il y a eu des jeux comme Zelda Link's Awakening DX, Azure Dreams, Stranded Kids, Pokémon, enfin voilà, il y a eu de très bons jeux d'aventure, et celui-là, ben, c'est vraiment pas du tout un exemple. Il y a beaucoup de défauts dans ce jeu, je sais pas par lequel commencer, mais je vais commencer par le commencement tout simplement. Au début, on n'a pas de PNJ à qui causer et qui nous donnerait des indications, non, on est vraiment livré à soi-même, on débarque comme ça, il y a du petit monde qui va dans tous les sens, mais en fait on sait pas si ce sont des ennemis ou quoi. Voilà, oui, ce sont des ennemis, on se bat contre des serpents, et contre des machins trucs chouettes. Bon là, il y a une sorte de droïde à la R2-D2, lui ça doit pas être un ennemi. Enfin voilà, tout est assez confus, ça apparemment c'était un coffre. Alors dedans j'ai trouvé quelque chose, apparemment il s'agit d'une carte rouge, alors, carte dans l'inventaire.
c'est marqué Red Key Card, donc normalement c'est censé ouvrir quelque chose. Retenez bien ça. Donc ouais, je disais, on commence le jeu, on sait pas où il faut aller, on sait pas quoi faire, puis surtout on est choqué par ces graphismes, par cette animation, et voilà, on essaie de se figurer un peu ce qu'on peut faire, avec quoi on peut interagir. Juste avant, c'est un peu par hasard si j'ai trouvé la carte. Je pensais pas que c'était un coffre, ce machin auquel j'ai touché. Là, par contre, je me dis ça, c'est peut-être un coffre, ça ressemble à un coffre, mais en fait, je peux pas les ouvrir. Et ici, je fais la connaissance d'un droïde médical, donc lorsque je suis blessé, que je n'ai presque plus d'énergie, je viens le voir et il me soigne. C'est dommage qu'il fasse pas les sauvegardes également. Il me donne 2-3 conseils, il me dit qu'avant d'aller plus loin, je devrais d'abord trouver un locator, donc c'est une sorte de plot radar pour me repérer. Effectivement, ce serait déjà pas mal, mais c'est vrai que c'est pas ça qui m'empêcherait de me sentir perdu dans le jeu. Alors là, j'essaye un peu de fouiller pour voir si je trouve pas un moyen de sauvegarder dans cette pièce, parce que ce serait logique, mais non, pas moyen de sauvegarder par ici. Alors rien à foutre des conseils du droïde, hein. Moi je pars à l'aventure, je vais explorer ça sans carte, sans radar, tel un gros ouf. Là, on se fait accoster par des hommes des sables, mais ils viennent pas pour nous faire la causette, hein. Ils viennent pour nous combattre. Alors c'est pas très clair, on sait jamais vraiment quand c'est que l'ennemi touche le joueur. Alors le seul moyen de le savoir, c'est de regarder la barre d'énergie qui diminue, et on se dit, ah ouais, tiens, là il est en train de me taper. Mais l'animation des ennemis, enfin l'animation de tous les personnages, c'est quand même juste... c'est même pas que c'est minimaliste, c'est à chier. C'est vraiment à chier. Bon, avant de trop m'éloigner, je me dis, faut peut-être que je cherche des indices. Alors je retourne dans la ville du départ, j'essaie de causer un peu aux gens. Allez, cause-moi, salope! Elle veut pas, j'arrive pas à lui parler. Mais au moins c'est assez réaliste, parce que c'est un peu pareil dans la vraie vie, avec les filles. Alors j'arrive à lui parler à lui, et il me dit quoi, il y a les troupes impériales qui sont venues foutre la merde par ici hier. Ok, ouais, je suis content de le savoir. Et lui il me dit, ah, Azim. Alors il veut que je lui trouve du pain Azim. Je sais pas où c'est que je vais trouver ça sur Tatooine, mais bon. Le vaisseau est en sécurité, et j'ai toujours un travail à faire. Oui, c'est bien, je suis content de le savoir, ça aussi. Dégage. Ouais, c'est sympa, on se sent tout de suite très bien accueilli dans ce jeu, on sait ce qu'il faut faire. Oh, regardez ce bordel. Il y a un vieux locator là-dedans. Oh, bah tiens, j'ai trouvé ce dont me parlait le droïde. Peut-être qu'on va réussir à s'en sortir. On va peut-être pouvoir faire quelque chose. On a déjà un plan pour se repérer, plus ou moins. Alors je pars en exploration, la conscience tranquille, j'ose maintenant m'éloigner un peu plus de la ville. Lorsque soudain je tombe sur un Sample of Rill. Ouais, ben, ce doit être ce véhicule qu'on ne peut évidemment pas prendre. Alors je sais pas si on peut piloter un vaisseau ou un véhicule à un moment ou l'autre de ce jeu, je ne pense pas, mais j'ai pas envie de trop m'avancer en disant cela parce que pour être honnête, ce jeu, j'y ai pas tellement joué. Bah déjà, il est merdique, il faut dire ce qu'il est, c'est un jeu merdique. Et puis c'est surtout un jeu dans lequel je ne comprends pas ce que je dois faire. Je comprends rien du tout. Alors chaque fois que j'y joue, je me dis peut-être que je vais arriver à aller un peu plus loin. Mais ce jeu est un tel bordel, rien que les déplacements sont affreux. Je veux dire, la jouabilité, elle en prend un coup avec cette animation. Et en plus, c'est pas toujours clair dans les décors de savoir où est-ce qu'on peut passer et où on va se retrouver confronté à un mur. D'ailleurs, en parlant de mur, les graphistes sont de sacrés flemmards. Parce que regardez, en bas à droite, il y a le pavé directionnel qui apparaît. Il y a certaines directions qui sont surbrillantes. C'est en fait les directions que je peux prendre, c'est là où je peux aller. Et celles qui sont éteintes, bah, c'est là où je vais être bloqué, où je vais avancer contre le bord de l'écran sans pouvoir aller plus loin. Donc au lieu de dessiner des murs ou de mettre un obstacle naturel quelconque, les concepteurs du jeu ont préféré opter pour un indicateur de direction possible. Et on sait pas où il faut aller, là je ne peux pas entrer dans ce bled qui est envahi par des barbichettifs enragés, qui plus est. Un peu plus loin, je tombe sur un autre bled envahi de barbichettifs enragés, mais dans lequel je peux entrer. Alors je vais à l'intérieur d'une baraque, je me bats contre tout le monde, j'essaye de fouiller un peu, voir si je trouve pas du contenu dans les coffres qui ne sont pas des coffres. J'entre ensuite dans une autre baraque, apparemment c'est une boutique qui est tenue par la miss qui voulait pas me parler au début et qui me dit ici qu'elle collectionne du junk. Donc si je lui apporte du junk, en échange, elle me donnera une carte d'accès qui pourra m'aider.
Je me dis que ça peut être une piste pour commencer. Je retourne voir le droïde médical histoire de me soigner. Ensuite, je vais au bistrot du coin, je retrouve la miss qui cette fois me parle et qui me dit qu'elle tient son petit business et tout ça. Mais de toute façon, je le savais déjà puisque je l'ai rencontrée tout à l'heure. Et puis bon, elle me rappelle encore une fois que je peux lui ramener du junk. Je m'aventure ailleurs, mais on me laisse pas passer. On me dit que c'est une propriété privée et que je dois être équipé d'un sample of real pour passer ici. Sérieusement, un sample of real? Attends, c'est ce machin que j'ai trouvé avant dans la rocaille et que je peux pas utiliser, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça, bordel? Un peu plus tard, je me rends compte que je peux en fait déplacer certains éléments du décor. Alors je me dis chouette, je vais déplacer tous les rochers que je trouve. Et je finirai bien par tomber sur quelque chose d'intéressant. Là, effectivement, je suis tombé sur quelque chose. Pile of junk, un tas de déchets. Eh ben, c'est pas moi que ça va intéresser, mais je connais peut-être quelqu'un. Je me dis qu'il faut tout de même persévérer, qu'il faut continuer de pousser les rochers. Après tout, les indices ne vont pas me tomber dans la main tout seul. Il faut que je parte à leur recherche. Je vais peut-être trouver quelque chose de vraiment valable. Et pourquoi pas, un passage secret. Un passage secret, tu parles. Non, mais comme si en poussant un rocher, j'allais tomber sur des escaliers. Je me suis cru dans Zelda ou quoi? Oh, mais qu'est-ce que c'est? On dirait un gros tas de merde. Ah, c'est peut-être un easter egg, hein, si ça se trouve le jeu se fait un clin d'œil à lui-même. Ouais, mais tout ça, ça m'aura pas tellement permis d'avancer en attendant. Je continue d'explorer les zones habitées, et en voyant dans quel bâtiment on va bien vouloir me laisser rentrer. Hé, hey, ouvrez, montrez un peu d'hospitalité. Et là, on a un petit connard qui sort, et qui me dit, en gros, tu débarrasses les rues des troupes impériales, et après on discutera. Ouais, alors déjà, il me dit ça, alors qu'il y a un Stormtrooper qui est juste à côté de lui. Mais le gars, il doit avoir une sacrée paire de couilles, hein. Il dit ça devant un Stormtrooper, écoute, tu nous débarrasses des Stormtroopers. Ou alors c'est peut-être le dernier des cons. Bon, en tout cas, lui, c'est le dernier des Stormtroopers, parce que j'ai buté tous les autres qu'il y avait dans ce bled. Et maintenant que j'ai nettoyé les rues comme il me l'a demandé, le connard va bien me laisser rentrer. Je lui travaille, petit, mais le bar est réservé pour les seniors pilotes. Aucune admission sans une carte d'identité valable. Ah, mais tu es vraiment un trou du cul. Y'a personne de sympa dans ce jeu. Y'a que des connards, des trous de balles, des enfoirés. Bon, écoute, j'ai une carte. Bon, c'est pas une carte d'identité, vraiment, mais c'est tout ce que j'ai. Alors, je te la donne, tu fais pas chier, tu me laisses entrer, ok? Non? Rien? Aucune réaction? Pas même un texte du style « Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça ?» Bon, j'en déduis que je vais encore galérer un sacré moment sur ce gros jeu de merde. Je retourne là où je me souvenais qu'une pierre me bloquait le chemin. Je l'enlève et c'est parti pour un petit combat. Allez, venez les gars, je vous attends. Ça va être un combat épique, après tout on est dans Star Wars. Non, en fait ça n'a rien à un combat épique, regardez ça, c'est de la merde, on comprend rien. Ah, j'ai quand même récupéré une arme. Super, bah on va tout de suite l'essayer. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Alors, un blaster. Maintenant, je peux lui tirer dessus, s'il veut bien se calmer et arrêter de bouger dans tous les sens. Allez, crève, charogne. Voilà. Il y en a encore un là-bas. Putain, mais j'ai l'impression qu'il se téléporte, tellement l'animation est saccadée. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est juste un plomb. En fait, c'est exactement ce que j'ai. Moi, j'ai déjà trouvé le locator, donc j'ai pas besoin de ce truc-là. À quoi ça peut bien me servir? Ouais, y a pas d'autre utilité, hein. J'ai fouillé un peu, mais y a pas d'autre utilité. Ça affiche un plan et c'est tout. Je peux même pas sauvegarder avec ce machin, non. C'est vraiment inutile. Comme un peu tout dans ce jeu, j'ai l'impression. Comme ce véhicule, là, qu'on peut même pas prendre. Un peu plus loin, je me dis que je vais peut-être enfin pouvoir me servir de cette carte rouge. Keycard slot. Alors... on l'insère. Ouais, ok, ok, on sait ce que c'est. Bon, quoi, pourquoi c'est fermé? Vas-y! You fucking slut! Allez, prends cette carte. Je vois vraiment pas ce que je fais de faux. Ça me semble tellement logique, je sais pas. Non, ça marche pas, ça veut pas marcher. Ah, je comprends pas. Ah bon, là je trouve une arme. Cool, j'en avais déjà une, mais voilà. Maintenant j'en ai une autre. Blaster Rifle. Je vois pas tellement de différence, mais bon. À ce stade-là, je sais même pas ce que je vais faire pour continuer le jeu. Je me dis que peut-être la carte que j'ai, c'est une fausse. Alors, je vais voir, vous savez qui? La nana, ouais. Parce que j'ai quelque chose pour elle. Elle a dit qu'elle voulait du junk. Moi, j'ai du junk. Ouais, souvenez-vous, là. A pile of junk.
Ouais, depuis le temps qu'elle m'en réclame, là je lui ramène toute une pile, elle va pas le refuser. Hé! Hé, connasse! Je t'ai apporté quelque chose, ouais, ça tu m'as déjà dit, mais je viens de te tendre un truc là. Pourquoi c'est toujours dans mon inventaire? Je te l'ai passé, prends ça, bordel! Ouais, je lui ai tiré dessus. Non, vas-y. Non, parce qu'en fait, j'essaye différents boutons pour voir pourquoi ça marche pas. C'est juste que ce jeu, c'est de la merde, et certains diront: ah mais non, c'est pas de la merde, c'est juste qu'il faut connaître, mais allez vous faire foutre, ce jeu, c'est de la merde, c'est de la merde! Sérieusement, c'est le genre de jeu qui mériterait de se faire enterrer dans un terrain vague! Et pas seulement ce jeu-ci, hein, mais toutes les copies existantes! Vous cherchiez un successeur au génialissime E.T. de l'Atari 2600? Eh bien, ne cherchez plus, le voici, c'est encore plus chiant, on sait encore plus pas ce qu'il faut faire, même si ça se dit pas encore plus pas, enfin bref, foncez dessus, c'est génial!